bonsoir. Reporter TV ce soir en direct du bar du port à Saint-Tropez. Nous sommes avec Marie-Amélie et Barbara qui vont participer à leur premier rallye Aïcha des Gazelles qui se passe au Maroc et le départ c'est samedi 16 mars prochain. Donc qu'est-ce qui vous a motivé à participer à ce rallye ? Bonsoir. Alors ça fait un an qu'on prépare le rallye, on est hyper motivés. On est toutes les deux passionnées par le sport, les sports extrêmes en général. Et c'était un rallye qui était 100% féminin, qui n'est pas une course de vitesse. Et on avait très envie de le faire comme défi personnel. D'accord, justement, c'est un rallye exclusivement ouvert aux femmes. Mais expliquez-moi un peu le principe de cette course. Il y a des balises, c'est écologique aussi au niveau du carburant. Expliquez-nous un petit peu. Alors en fait, on a 8 jours de course dans le désert, donc on est levé à 4 heures du matin. À 5 heures, on a l'emploi du temps de la journée. On a à peu près 6 balises par jour à aller chercher, ce qui fait une moyenne de 300 km par jour. Le but étant de rattraper le plus de balises possible dans la journée en faisant le moins de kilomètres possible et en utilisant le moins d'essence possible, puisque maintenant le rallye a une norme ISO 14001 qui se veut écologique. D'accord, très bien. Ça vous a pris combien de temps pour pouvoir participer à ce rallye ? Parce qu'il me semble que ce n'est pas ouvert à tout le monde. Alors en fait, c'est un rallye qui est ouvert à tout le monde, qui demande un long moment de préparation, parce que ça fait un an qu'on le prépare. On a réuni à nous deux 35 000 euros. Il y a 15 000 euros d'inscription de frais de course. Après, on a eu 10 000 euros de location de voiture, plus tout ce qui va à côté. Et par chance et avec l'aide de nos maris, on a réussi à tout réunir en moins d'un an, de pouvoir s'inscrire. Et les gens du golfe de Saint-Tropez et de Montpellier nous ont beaucoup aidés. Vous avez pu trouver des sponsors ? Oui, on a tout trouvé ici. Les gens ont été assez ouverts et assez généreux, donc on est plutôt heureuses. Heureuse. Qu'est-ce qui se passe ce soir ici ? Et donc ce soir, que se passe-t-il ici au bar du port ? Alors en fait, avant de partir, on voulait présenter notre voiture à tous nos sponsors. Donc on a fait une soirée, on les a tous invités pour leur présenter la voiture. Et puis au retour, on refera la même chose, où on présentera toutes nos photos, nos souvenirs, et pour les remercier une dernière fois de nous avoir permis de participer au rallye. Oui, alors comment vont se répartir les rôles ? Qui sera pilote et copilote ? Alors pour l'instant, rien n'est défini, puisque pendant la course, à partir du moment où les deux personnes ont leur permis, les deux ont le droit de conduire. Il y a des équipages qui alternent, qui font un jour sur deux. Pour l'instant, on n'a pas encore décidé. Et je crois qu'à partir du premier jour, on arrive très vite à savoir qui va conduire et qui va naviguer. Les deux postes sont aussi importants l'un que l'autre, puisque la navigatrice a un rôle très important, puisque c'est elle qui indique le chemin. Et la pilote a la responsabilité de la voiture. Donc c'est une grosse responsabilité aussi. Mais en fait, vous serez complètement complémentaires. Ah oui, complètement. Les deux ont une importance pendant la course. Et si la navigatrice se plante, ça ne va pas. Et si la pilote plante la voiture, ça ne va pas non plus. J'imagine. Bah écoutez, nous, ce que nous vous souhaitons à Reporter TV, c'est d'aller le plus loin possible dans cette course et puis pourquoi pas d'arriver en première place. C'est tout le mal que l'on vous souhaite. Merci à vous et nous suivrons votre parcours sur les grandes chaînes. Bonne soirée. Merci beaucoup. Alors on est l'équipage 109. Si vous voulez nous suivre, vous pouvez aller sur le site de Rallye Aïcha des Gazelles, équipage 109, et vous pouvez suivre notre course en direct avec les coordonnées GPS de notre voiture. Donc vous pouvez savoir en temps réel où est-ce qu'on se trouve. D'accord. Je vous remercie beaucoup et bon courage à vous.